Salut tout le monde, ici Sam Jalb, bienvenue au chapitre 14 Lego Marvel Avengers. C'est le chapitre qui s'appelle Manque de perspicacité. Et on va commencer tout de suite, on va passer tout de suite pour bien débuter ça. Pour bien faire ce petit truc. Services spéciaux. Enfin, plus maintenant, mais bon, je m'emballe un peu. Bref, commençons par le début. Les exercices matinaux du capitaine Steve Rogers ont été interrompus par une mission visant à sauver les otages d'un navire de lancement de satellites du SHIELD. L'équipage a quant à lui été capturé par le très dangereux George Batroc. Captain America avait pour mission de ramener l'équipe en un seul morceau. Malheureusement pour le capitaine, son entrée fracassante lui a fait rater le bateau. Il avait donc besoin de l'aide du très sympathique Brock Rumlow, ainsi que de celle de l'équipe Strike pour s'assurer que le reste de la mission se déroulerait sans accroc. Et voilà, on va commencer tout de suite ici. Cette petite mission est en dehors du bateau aussi. On va être capitaine avec Captain America, je crois. Si je ne me trompe pas, on va commencer tout de suite ici. On va la monter juste là. On va s'en venir tout de suite ici avec Captain America. On va faire possible pour y aller. Ok, on est avec ça ici en haut, avec lui ici en haut. Donc, on va faire monter Captain America ici. Combien là, on va le faire. Et voilà. Bon, on a un petit peu de trucs ici. On perd pas de temps avec ça finalement quand même. On va aller tout de suite où est-ce qu'il faut aller. Sans perdre de temps, évidemment. On va monter le petit truc ici, qu'il faut faire avec le petit. J'essaie de tourner ça rapidement. Sans perdre de temps en fait. On fait ça rapidement. Et voilà, on est arrivé en haut sans problème. Bon, on va essayer de battre tout le monde ici sans problème, on essaie de pas perdre de temps. Avec eux ici. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns en bas ici, donc on va s'en débarrasser tout de suite. On perd pas trop de temps avec ça. Il en reste quelques-uns ici encore. Bon. Et deux ici sont presque assommés. Bon, il en reste plus beaucoup ici. Là. Parce que t'as mené avec eux ici. Il en reste quelques-uns. Ici. Oui, voilà, on continue ici avec les personnages ici. Là. Bon, on va aller en haut ici parce que là. Oh, ils ont descendu finalement. On va les battre tout de suite ici. Et voilà, on a presque terminé là, contre eux autres. Là. Il en reste seulement un ici, je crois. Et oui. Regardez ce qu'il faut faire ici. Et ça c'est pour une autre partie, donc on va passer tout de suite par ici. On passe tout de suite de l'autre côté. On monte ici sans perdre de temps, Captain America maintenant. Qui tombe à l'eau. Ici on va attendre qu'il remonte. Par ici. Bien là on va rattraper l'autre personnage qui est un petit peu plus loin ici. On est comme tombé, donc vous faire attention. On revient ici. Et on saute ici toujours. Et on fait apparaître des petits trucs ici, vu qu'il faut faire. Faut faire le panneau ici, il faut faire apparaître ce qu'on a besoin. Pour ouvrir le petit panneau ici. On revient tout de suite. On essaie de revenir ici sans problème. On va essayer d'éviter de détruire lui ici. Un petit truc à construire ici. On construit tout de suite, justement. Tout de suite, sans perdre de temps. On envoie ça dans le panneau. Et on va faire sortir les bateaux juste ici. Là. Et l'échelle, c'est un petit truc qu'il fallait faire à côté. Je ne le ferai pas vu que c'est pas pour ça qu'on est ici. Bon, et là, je vais tirer en haut. On va devoir essayer d'éviter ce petit canon. D'éviter ça ici. On va juste faire avoir pour le canon ici. Et voilà, on va utiliser un petit truc ici qui va sûrement marcher d'un coup. Et voilà. Il y a ça, un petit truc ici. On a besoin de lui ici pour l'avoir. Et voilà, c'est fait.
Il y en a un petit panneau ici à construire pour pouvoir battre le laser ici. Bon, on va envoyer ça directement dessus. J'ai oublié ce qu'il fallait que je lance dessus. Alors ça, ça devrait être bien. Et voilà. C'est tout détruit là. Il faut qu'on arrive à traverser. On va traverser par ici. Il y a un truc à détruire ici un petit peu. Un petit peu de feu ici, donc faut l'éteindre tout de suite. Et voilà, on éteint même ça ici. Bon, faut que notre personnage monte sur le panneau. On y va ici tout de suite. Et on appuie ici pour que le personnage puisse se rendre de côté. Bon, on se rend de côté ici tout de suite, on va se débarrasser du maxi. Et voilà. On a tout ici à faire, donc on va essayer d'y aller doucement. Et voilà, ce panneau est fait, donc les trucs-ci vont monter. On va traverser Captain America sans problème avec ça. Je crois, je suis pas sûr. On va le laisser faire tout de même. Bon, on va traverser ici, on va essayer de le faire à la main. Bon, on va sauter ici. Tout comme il faut le côté, et on arrive. Sans problème, c'est fait. Et on attend l'autre personnage pour monter en haut maintenant. Je suis étonné qu'il n'ait pas mis de... Et voilà. L'étage est terminé. Le dessin du crâne et des os. Je me plains pas. Je vais battre tout le monde ici. Pour l'instant, c'est pas trop difficile en fait. Et voilà. C'est des trucs quand même assez grand qu'on faisait comme ça avec ça ici. On va essayer de tuer tout le monde ici, débarrasser tout le monde ici. On monte ça maintenant. Un petit truc à monter ici. On monte celui-là ici. Celui-là encore. On va grimper maintenant avec un personnage. Et voilà, un petit saut ici. Et on fait descendre l'échelle ici. On monte maintenant, on perd pas de temps. Bon, ça s'en vient bien, je crois, avec ça ici. J'appuie pas bien sur le panneau, on va l'avoir maintenant. Et voilà la porte qui s'ouvre ici. On doit maintenant entrer à l'intérieur, je crois. Ou sortir, peu importe ce que ça veut dire. Et voilà. On poursuit cette partie de mission. Je sais pas si c'est terminé, je ne crois pas. Mais il a eu la surprise de découvrir que Black Widow contrevenait aux ordres et récupérait les données de l'ordinateur du navire. Rogers a demandé une explication au directeur Fury. On lui a alors parlé du projet Insight, un plan censé protéger le monde en connectant trois héliporteurs ensemble. Refusant cette idée qui signifiait vivre dans un monde dominé par la peur, le capitaine a préféré prendre la fuite avec Black Widow et son nouvel ami Falcon. Ensemble, ils ont appris qu'Alexander Pierce, membre du Conseil de sécurité mondiale, avait trahi Fury et s'apprêtait à utiliser le projet Insight pour qu'Hydra domine le monde. Oh, et c'est là qu'ils ont rencontré le soldat de l'hiver. Voilà, on continue maintenant avec cette autre petite portion aussi de ce chapitre 14. Il devra pas être bien long, je crois. On fait bien ça comme il faut. Là, on lance ça par là-bas maintenant, mais on se débarrasse d'eux. Sans perdre de temps. On se débarrasse de tout le monde ici sans problème. Et voilà, ici, c'est terminé pour l'instant. Mais ça, ça va bien. Bon, on va tout détruire un petit peu, là. Bon. Une mec ici qui descend, on va devoir tirer sur le laser, juste sur le truc ici. Un truc à construire ici, évidemment. On appuie sur B ici, on appuie sur X pour charger comme il faut.
Voilà, on a un petit truc à faire ici avec ce truc. Captain Lacrosse, j'ai eu ma tombe. Et voilà, on peut capter le corps maintenant. On charge maintenant ici, on va essayer de débarrasser tout le monde un petit peu. On se renvoie là-bas, ça va le détruire dans pas long. Un petit peu moins haut. Et voilà, on est presque arrivé. On va se plus par là-bas. On va parler à vous maintenant, on va débarrasser deux ici devant. Et une autre affaire ici. Et on va viser ce camion maintenant. Un petit peu plus beau en fait. Pourquoi ça ne se détruit pas? Avec ce renvoyé sur lui peut-être. Oh par là c'est trop haut un petit peu encore. Je sais pas exactement où lancer, c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté. Ça, c'est un camion ici, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut que je fasse en fait. On voit là-bas, on dit que ça ne détruit pas. Mais c'est laser ici, il faut que je dévie. C'est le truc pour que ça explose. Ça ne doit pas être bien long en fait. Plus long présentement là, ça se détruit pas encore. Les hasards ici qui n'atterrissent pas sur le camion là. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec ça ici, je n'arrive pas à le détruire. On va essayer de rester là-dessus ici maintenant. Ici qui n'envoie pas comme il faut sur le truc ici. Et voilà, c'était pas plus dur que ça, c'était juste plus long à faire. Juste c'était long avant que ça marche. Un petit hélicoptère qui va s'écraser juste ici à terre là, devant. Et voilà, juste ici dans le bâtiment. On ne sait pas ce qui suit ça maintenant. On va débarrasser tout le monde ici. Eux sont plus là maintenant. Un petit truc à faire ici avec le A, avec Black Widow, on va s'en servir tout de suite. On met ça là-dessus et voilà. Comme ça qui tombe maintenant ici, il détruit tout, on doit quelque chose à construire. Ici, on va entrer tout de suite dedans. Voilà, on va se détruire en haut. Et voilà, ça fait tomber la voiture de taxi ici. Au cours du combat, l'identité mais ça a bien été, je sais pas si c'est la fin, je crois que oui. Révélé. Il s'agissait du plus vieil ami de Steve, James Buchanan Barnes. Suite aux expériences d'Arnim Zola, Bucky avait survécu à sa chute du train et avait subi un lavage de cerveau afin de servir Hydra. Après avoir échappé à l'équipe Strike de Rumlow, le capitaine et ses amis ont rejoint Maria Hill et Nick Fury pour établir un plan et arrêter le projet Insight. Leur seul espoir était de reprogrammer les héliporteurs afin qu'ils se détruisent entre eux, mettant fin au plan d'Hydra. Après de féroces combats, le capitaine et Falcon ont rejoint la console du dernier héliporteur. Mais le soldat de l'hiver leur a barré la route. Ne m'y oblige pas. Ah, comme ceux qui s'est à faire, ils sont plus longs un petit peu cet épisode-là. Ce chapitre est un petit peu plus long, là. On va passer deux ici pour l'instant. Bon. Ça va se débarrasser, on dirait bien là. Bon. On envoie lui dans le tapis ici. Bon, on va monter maintenant, on va aller voir plus loin ce qu'il faut faire. Mais là, on va découvrir ça tout de suite avec ensemble. Pas où s'il faut aller exactement. Mais là, on va découvrir tout ce qu'il faut faire. Monter ici en haut tout de suite, on va perdre pas de temps, on va attendre ici.
Oui, on s'est débarrassé de tout le monde pour l'instant. Y a-t-il qu'à faire ici? J'ai pas vu quelque chose à construire. Et voilà, c'est lui qui va s'en servir avec ça. Et on charge rapidement et on va tout ouvrir ça là. On voit ça dans le panneau ici. Il nous fait charger quelque chose par le fil électrique en dessous ici. Ça c'est ouvert maintenant. On monte en haut ici. On va signer un petit truc de l'autre côté. On s'est débarrassé de lui ici. On va essayer de regarder s'il y a un truc ici à construire. Ici, j'ai pas vu, justement, j'ai pas regardé. Ce qu'il y a à construire ici, on va le construire tout de suite. On est en train de construire, ça a été de justesse. Bon, un autre ici qui vient de pas capable de se débarrasser, sont ils à se débarrasser. Ouais, dans le panneau ici. C'est grâce à lui, le courant va monter en haut jusque là-bas pour pouvoir utiliser les trucs là-bas là. En haut évidemment. Et là, on va y aller, ça sera pas très long. Pas aller par où aller pour pouvoir monter ça, pour pouvoir monter en haut. On va être ici, je crois. On va essayer de débarrasser deux ici, c'est pas évident. Il ne débarrasse pas comme ça. C'est terminé pour lui ici. Et... voilà pour les 4 ici, ils ont déjà terminé pour eux. On va monter maintenant par ici, parce qu'il y a un truc où on peut se grimper ici. Bien non, on va monter, ça va prendre quelques secondes. On va ouvrir ça ici. Là, ça va aller de l'autre côté pour pouvoir grimper. Il y a pas de place de l'autre côté par contre. On monte en haut ici, on utilise le truc ici. On a tout dans le verre pour l'instant. Et ça nous ouvre une porte ici. On va utiliser avec Captain America. Bon, on est en bas ici, on va retourner ici. Là. Utiliser le truc. Bon, Bucky ici qui est justement ici. B ici, on va utiliser rapidement. C'est presque la fin, je crois, pour cet épisode. Bon, Bucky, ce qu'on a fait tasser, et on met le truc ici, dans le truc. Et tout se défait maintenant, là. Et on se ramasse en bas, ici. Bon, on va se débarrasser de lui, ici, c'est pas évident. Se débarrasser de lui ici, c'est pas évident. Bon, on va changer de personnage, on va aller avec lui plutôt. On va se débarrasser de lui tout de suite, c'est pas évident là. Il y a trop de gens par ici, là, c'est pas évident du tout. Voilà, on se débarrasse tout de suite ici. Bon, on se débarrasse de lui ici, c'est pas évident à sortir de lui. Et voilà, on a terminé avec Bucky juste ici. Là. C'est bien terminé pour là. Son ami et refusait de répliquer. Le projet Insight a été stoppé quand les héliporteurs ont été détruits. Oh bien non, on va continuer et terminer quoi ces chapitres, je crois. Toute l'organisation du Shield par la même occasion. Ça, personne ne l'avait vu venir. Mais bon, ça va. J'ai un nouveau boulot. Je sais que ça vous inquiétait. Captain America et Falcon ont chuté de l'héliporteur jusque dans l'eau, mais Bucky les a sauvés. Tout n'est peut-être pas perdu pour lui. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Disons que je vivais à côté de chez Steve et que je suis une voisine curieuse. Vous voulez que j'écrive tout ça?
Et voilà, c'est ce qui termine ce chapitre 14 dans Lego Marvel. On va juste passer un petit peu ici et on revient. Et on va terminer ça là sans problème. On va quitter ça. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.